Lundi, 21. Eh oui, déjà bon temps. Là, je suis parti un peu plus tôt parce que il faut s'adapter à la saison. Et puis mon téléphone réagit mal à la faible luminosité. Donc j'ai peut-être trouvé un portable d'occasion qui sera de plus performant pour la vidéo. Alors j'ai envoyé un message par le bon coin et j'espère que cet appareil permettra de faire des vidéos la nuit ou le soir tard, parce que je sors toujours un peu tard. Et oui, je sais. Bah oui, je sais. Et oui, on t'oublie pas, hein? Mais oui. Mais oui. Hein? Ah. Mais oui. Ça arrive. Hein? Ah oui. Il y en a qui ont des chats, et quand ils entendent miauler Canel, ils réagissent aussi. Ils disent, oh ben c'est l'heure de manger. Ça communique. Dans les maisons. Comme ça la vidéo elle sert aussi pour les chats. Voilà. Bon ben voilà. Hein. Comme toujours. On se régale. Ah, quelqu'un? Quelque chose? Ah non. C'est quoi? C'est quoi? Non, je pensais qu'il y aurait un animal, mais non. Bon bah allez, on est reparti pour une promenade, une séance de marche. Alors il fait doux aujourd'hui, hein. Vraiment doux. Bon, j'ai mis la belle casquette de Trump aujourd'hui, comme ça, moi. On affiche la couleur. Ouais, vous avez vu? Voilà, bah écoutez, hein, dans 15 jours, on sera fixé. On va voir comment tout ça évolue, comment la situation... Difficile de faire des prévisions. Tant s'entremêlent tous ces fils, je dirais tous ces fils temporels, tout ça se mêle et on ne sait pas si ce que ça va vraiment, sur quoi ça va aboutir, sur quoi ça va déboucher. Nous, on a l'impression qu'on touche de plus en plus le fond. Hein, je regardais parce qu'il y a c'est le contre-jour qui fait ça. On est
On n'est pas au bout de nos peines en France, ça c'est sûr. On n'est pas au bout de nos peines. On traverse une séquence de folie. Une séquence où il y a de quoi perdre pied. Tant tout est ubuesque, tout est complètement fou, quoi. La tension qui monte partout, sur les plateaux de télévision, dans la rue, dans Paris. Ils ont créé une ville où c'est l'horreur, Anne Hidalgo. Tous ces gauchistes, c'est incroyable. Mais là où ils opèrent, là où ils passent, c'est l'enfer. Ils ont un don pour créer l'enfer. Ils ont un don pour créer des clivages, pour créer des tensions. Ils ne savent pas. D'ailleurs, vous avez vu, c'est la gauche qui va en guerre à travers l'histoire. C'est surtout la gauche qui est toujours va en guerre. C'est elle qui était colonialiste, c'est elle qui veut apporter la vérité au monde entier au prix de mort. C'est la gauche qui a toujours été va en guerre, tout le temps. Et vous avez une gauche démocrate aux États-Unis qui, pareil, les présidents démocrates ont toujours fait la guerre. Toujours, pas que, les républicains aussi, mais la gauche, elle, est très va-t-en-guerre. Et c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment, la gauche est vraiment un état d'esprit belliqueux, sectaire, et en même temps, il y a une cruauté dans ce sectarisme. C'est des gens qui sont pervertis, c'est une forme de maladie mentale, la gauche. Et le gauchiste est vraiment un malade mental. Quand on voit Hidalgo, une pétasse là, qui a couché avec je sais pas qui pour avoir ce poste. On dit qu'elle a couché avec Hollande, j'en sais rien. Mais quand on voit cette pétasse, le mal qu'elle a fait à Paris, mais c'est terrible. Et des gens donnent des voix. C'est ça qui est incroyable, l'aveuglement. Alors les cyclistes, les deux roues, les piétons, les voitures, ça y est, ils ont créé une haine entre piétons, cyclistes, trottinettes et voitures. Ça y est, ils ont créé un climat de haine, ce qui fait que même entre cyclistes, ils se foutent sur la gueule. J'ai vu des séquences sur X où ils se tapent, même entre eux, les cyclistes. Ils sont nerveux, ils sont agressifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'être détenteurs de la morale, du bien. Ce sont des fanatiques. Et rien n'est pire que quelqu'un qui pense être détenteur du bien, détenteur de la vérité. Et le cycliste, c'est l'écolo, vous comprenez? C'est celui qui a choisi de lutter pour le climat. Alors, fort de cette armure qu'il a de guerrier blanc, de chevalier blanc contre l'ennemi pollueur automobiliste, il devient arrogant. C'est pas d'aujourd'hui, moi, il y a 15-20 ans, quand je roulais dans Paris, j'ai vu cet état d'esprit des cyclistes. D'ailleurs, je pouvais pas les voir tellement ils me dégoûtaient dans leur comportement. Ils ne respectent rien, ils sont arrogants, ils frôlent vos voitures. Des fois, on était dans des files, on attendait calmement. Ils passaient, ils rayaient les voitures, certains. Et en plus, ils se permettaient tout. Je comprends qu'il y en a qui pètent des plombs, des fois, parce que il y a de quoi. Il y a quand même un état d'esprit du cycliste à Paris, mais qui est épouvantable. Pourquoi ? Parce que ce sont la plupart des gauchistes qui revendiquent leur mode de vie bobo, et ils veulent que les autres les livrent pareil, en vélo. Ils ont eu des Uber qui viennent leur livrer leur repas à vélo. Ils aiment avoir des esclaves à vélo. Eux, ils vont à vélo tranquillement, comme ils sont tous cadres. Ils arrivent à 9h, 10h le matin, et ils sont tranquilles. Tandis qu'ils voudraient que les artisans viennent travailler à Paris à vélo. Ils voudraient que les restaurants soient... ils aiment avoir des restaurants, ils aiment avoir des plaisirs. Mais il faudrait que tous les petits salariés, les moins que rien, les sans-dents, ils aimeraient, les bobos, que tous ces gens-là restent en périphérie, surtout vivent en périphérie. Et quand on pénètre dans la sacro-sainte ville lumière, eh bien, tout le monde au vélo. Les artisans, les commerçants, tout le monde vient en vélo. Et puis avec des charrettes, je ne sais pas. C'est leur rêve.
ils ne supportent plus la voiture, ils comprennent pas le rôle de la voiture, du véhicule. C'est le prolo qui prend la voiture. Ils ont une détestation du prolo, ces gens, mais vous pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors, vraiment, cette race de cons, franchement, je ne les plains pas parce que, comment dire, un jour, j'espère qu'ils auront ce qu'ils méritent. J'espère que, moi, je compte sur la banlieue. C'est-à-dire les bonnes racailles là, qui n'ont rien à branler, qui n'ont aucun scrupule, j'espère qu'un jour ils vont leur faire la peau. Que toutes ces racailles qui n'attendent que ça vont leur tomber sur le dos et vont éradiquer ces imbéciles qui nous pourrissent la vie, qui pourrissent la vie à tout le monde. Paris est devenu insupportable. On ne peut plus. Vous savez que sur le plan médical, il y a des gens qui parce qu'il y a encore des grands hôpitaux, il y a encore des établissements, des professeurs de grande renommée qui travaillent à Paris. Eh bien, à cause de ces bobos de merde, écolos, vélos, cyclistes et tout, on a les gens qui habitent en périphérie de Paris, ou les gens qui habitent même dans la grande couronne, pour se faire soigner. Ils ne peuvent pas prendre les transports en commun pour beaucoup, pour faire des examens, parce qu'ils sont eux-mêmes parfois handicapés, tout ça. Donc, ils prennent des taxis ou des voitures qui les conduisent à Paris, mais ils mettent un temps fou. Vous avez, moi j'ai connu quelqu'un qui est allé pour une visite à Pompidou, le taxi l'a mis 2h30, le soir je crois qu'ils ont passé 4h pour rentrer chez eux. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le taxi est mobilisé pour toute la journée, ce qui coûte un fric de fou à la sécurité sociale, pour un examen qui dure 20 minutes. À l'hôpital Georges Pompidou, c'est un exemple. Elle venait de Seine-et-Marne, cette personne, mais c'est comme ça partout. Donc vous ne pouvez plus aller vous faire soigner à Paris parce que vous êtes paralysé par cette politique de la circulation qui est devenue impossible pour ceux qui vivent à l'extérieur. Donc il y a ces mêmes gauchistes, ces mêmes bobos gauchistes pro-migrants. Ils sont anti-populaires, ils sont anti-démocratiques parce qu'ils, par leur comportement et par leur loi, ils font de leur ville une forme de forteresse où vous, de l'extérieur, le prolo qui veut se faire soigner, le prolo qui veut aller à Paris pour une raison ou pour une autre, souvent pour une raison médicale, aujourd'hui on n'y va que pour ça, il ne peut plus y aller, il ne peut plus se faire soigner. Ils ont réussi le coup de maître d'être plus élitiste qu'une société hyper capitaliste où tout est basé sur l'argent. Parce que là aussi, c'est basé sur l'argent aussi avec ces gens-là. Non, je peux vous dire que vraiment, s'il y a vraiment une catégorie de la population que j'exècre en premier, ce sont ces bobos, écolos, cyclistes, toute cette merde, comme je dis, tous ces branquignols qui ont réussi à pourrir toutes les villes. Et la vie de tous les prolos qui bossent encore pour eux. Il faudrait qu'il y ait un jour un grand mouvement de tous ces prolos afin qu'ils refusent de pénétrer dans la capitale, qu'il n'y ait plus de restaurants, qu'il n'y ait plus d'alimentation, qu'il n'y ait même plus de sécurité, que les flics n'aient plus à Paris, qu'on les laisse avec leurs migrants, avec leurs racailles qu'ils aiment tant. Hein, parce que là, je vois qu'il y a des cars qui arrivent dans les campagnes. Il y a un car de migrants qui est arrivé il n'y a pas longtemps, pas très loin d'ici. Donc, ils veulent des migrants, mais pas chez eux. Ils nous les envoient après. Ils disent, venez et allez pourrir la vie de ceux qui sont à la campagne. En plus. Et jusqu'à quand les Français vont accepter ça? Jusqu'à quand les Français vont comprendre? Jusqu'à quand les Français vont avoir ce discernement de comprendre qu'on se fout de leur gueule, que ceux qui se foutent de leur gueule, c'est cette bande de cons qu'on a mis au pouvoir dans ces grandes villes. Regardez le maire de Bordeaux, la gueule déjà, regardez sa gueule de con, regardez cette gueule qu'il a, cette face de merde qu'il a. Et ce type-là, il a rendu sa ville impossible à vivre en important toute la merde du monde, parce qu'ils aiment la merde, ils aiment les délinquants. Mais par contre, le prolo qui bosse, qui paie ses impôts, il faut le taxer au maximum. Par contre, sur les lois de la sécurité routière, ils sont intraitables. Le type qui viole, c'est pas un problème, c'est culturel, faut le comprendre. Mais le petit prolo qui roule à 50 à l'heure dans Paris, dans une rue à 30, il se fait retirer 2 points ou 1 point, il s'en prend plein la tronche, il se prend une prude, et ils veulent encore que ces gens-là aillent travailler à Paris. Il faut arrêter de travailler à Paris. Il ne faut plus que le prolo
serre, lèche le cul de ces cons, il faut les laisser dans leur merde, sans alimentation, sans soins, il faut que les gens quittent les grandes capitales comme ça, les capitales de bobos, il faut les laisser dans leur crotte, ils sont, de toute façon, ils sont ignorants concernant, ils savent pas cuisiner, ils savent pas bricoler, ils sont inaptes à se débrouiller par eux-mêmes, ils ont besoin autour d'eux toujours qu'on les aide, qu'on les dépanne, ils sont même pas capables de remplacer une ampoule, certains. Donc j'ai vu des trucs incroyables des fois, même un joint de robinet, ils savent pas faire. Et donc évidemment, il y en a qu'on profite et ils ont raison. Il faut les taxer au maximum, les Parisiens. Il faut taxer tous ces gens qui vivent dans ces centres-villes et qui ont voté pour ces guignols qu'on voit aujourd'hui empoisonner la vie. Il faut qu'ils payent le maximum. Il faut que l'artisan, quand il va à Paris, dit « je viens, mais je prends 2000 balles pour mon déplacement ». Il faut les faire raquer, ces cons-là, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Tant il y a une bêtise dans ce monde-là. Il faut qu'ils payent, il faut qu'il y ait de la délinquance dans les grandes villes. Il faut que les migrants, tous ceux qui arrivent chez nous avec le couteau entre les dents, il faut qu'ils aillent se faire tous ces bobos-là, qui les volent, qui en réclament, parce que ceux qui en veulent pas, c'est des sales fascistes. Bah, prenez-les chez vous, accueillez-les chez vous. On en revient toujours au même, toujours au même. Alors vous savez, là, ils ont pleuré sur un cycliste qui s'est fait écraser, certainement par un mec, un gros con, c'est sûr. Parce qu'il faut être con pour écraser un cycliste, c'est vraiment bête. Et encore, il faudra voir les circonstances, mais là, ils en font toute une... Ils ont récupéré ça d'une manière, mais ils en ont fait un... Ils vont en faire un martyr, le martyr des cyclistes, le martyr des pistes cyclables. Mais ils sont dingues. Philippines, ils en avaient rien à foutre. Hidalgo, Philippines, quand, dans la mesure où tu es tué par un migrant en OQTF, c'est normal, il faut pas en parler. Mais quand un cycliste est tué par un mec qui conduit un SUV, alors là, il faut en faire toute une histoire. Mais il n'y a pas pire que cette race de gens-là. Il n'y a pas pire. Ils ont une mentalité de merde, mais je peux plus les supporter. Je peux plus les voir. Ils nous ont foutus dans la merde, de A jusqu'à Z. J'ai vécu avec eux. Je les ai approchés de près. Et ils sont insupportables. Ils ont des mentalités insupportables. Ils savent tout, surtout. Ils sont détenteurs de tout. Ils sont feignants, ils bossent pas, il faut les voir, ils sont tous dans les administrations, dans des trucs où ça glande du matin jusqu'au soir. Et ils se font des salaires de 3 000-4 000 net par mois. Et ils sont dans les syndicats, ils sont de réunion en réunion à refaire le monde, à lutter pour la régularisation des sans-papiers, etc. Je les connais, j'ai été avec eux. Et je peux vous dire que vraiment... C'est une race de cons. Vraiment, ce sont des races de cons. Et malheureusement, on les subit. On subit leur mentalité. On subit leur... Parce qu'ils ont des postes à pouvoir. Ils ont des postes pour emmerder les gens. Ils ont des postes pour contrôler, emmerder les seuls qui travaillent encore en France. Jamais ils s'attaquent à ceux qui sont vraiment voyous. Jamais ils s'attaquent vraiment à ceux qui puisent les richesses de la France et les détournent. Non, non, ils ne s'attaquent qu'à ceux qui bossent encore. Ils sont très exigeants avec le petit prolo, très exigeants avec le petit artisan, très exigeants avec le petit agriculteur. Ils sont là toujours à contrôler, surveiller le petit qui bosse. Mais par contre, ils sont là à réclamer que d'autres migrants arrivent, que d'autres migrants soient régularisés. Ils veulent le regroupement familial, ils veulent tout ça, et là, ils sont prêts à tout donner, surtout à eux, à ce qu'ils se fassent soigner en priorité. Mais vous, le petit Français, vous ne valez rien, vous êtes bon qu'à raquer, vous êtes bon qu'à être pénalisé, marginalisé, vous êtes bon qu'à être pris pour des cons, car le mépris, ils ont un mépris pour vous, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a un mépris de classe parmi cette population, mais c'est épouvantable. Ils ont un mépris de classe dont vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ils vous méprisent. Et j'en vois qui votent pour ces gens-là, parmi les prolos, et j'en vois qui se font encore manipuler. J'en vois encore qui n'ont rien compris. Rien, parce qu'effectivement, beaucoup sont bêtes, beaucoup n'ont pas compris.
Et c'est vrai que des fois, je me dis, les bobos, ils ont raison de les prendre pour des cons, parce que c'est vrai que le peuple, ça fait longtemps qu'il aurait dû réagir, ça fait longtemps qu'il aurait dû comprendre, au lieu de se laisser manipuler, berner, comme il s'est fait manipuler, berner jusqu'à présent. Quand je vois certains, ici même, dans les campagnes, qui disaient, oh mais moi, j'ai vu des petits employés, des petits maires, des rien du tout, qui disaient, oh mais moi, je voterai pour faire bien, oh mais moi, je voterai jamais Rassemblement National. Tu votes quoi? Tu voteras pour qui? Tu votes pour ceux qui te crachent à la gueule? Et là, tu dis rien, tu te couches. Bah, ces gens-là, ils ont été mis de côté, oui. Ils ont été virés, c'est pour certains de leur commune. Ils ont été virés d'autres. Ils ont connu la galère parce qu'ils ont voté pour ceux-là même qui les enfonçaient la tête sous l'eau. Ils n'ont pas compris pour qui il fallait voter. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils voulaient, eux, du haut de leur petit statut de classe moyenne, ils voulaient faire semblant d'être comme les bobos parisiens, être aussi intelligents. Ah, oh, puis si vous aviez parmi vos amis des homos, si vous aviez parmi vos amis un black, un arabe, c'était le top, ça faisait bien, comprenez. Nous, on n'est pas intolérants, on tolère tout, donc vous avez toujours les homos amis qui servent de caution pour dire, vous voyez, moi je suis ouvert, je suis bien avec les homos. J'ai toujours l'arabe pour dire, je suis pas raciste. Et un black pour dire, ah ben j'aime l'Afrique. Et puis c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le jeu aussi beaucoup dans les campagnes, certains petits bourgeois, la petite bourgeoisie qui voulait encore se donner l'impression d'être l'équivalent des bobos qui les méprisent et qui évidemment à travers ces médias les fragilisent intellectuellement, les dominent intellectuellement et même les manipulent. Et j'ai vu ça dans les campagnes, cette bêtise aussi. Donc on n'en est pas, je vous assure, on n'est pas sorti. Il faut vraiment, 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 si vous voulez, aujourd'hui, il faut pas avoir de scrupules à décaper les gens. Il faut les décaper, il faut les prendre, il faut leur dire en face ce qu'il en est. Il faut arriver à dire aux gens, à la population, voilà, tu es les causes que tu... Les effets que tu subis aujourd'hui sont les causes. Il faut que tu vois et tu réfléchisses aux causes et tu as chéri les causes qui produisent les effets dont tu te plains aujourd'hui. C'est ça qu'il faut leur dire. Dire, vous avez entretenu ce système, vous l'avez voulu. Eh bien aujourd'hui, voilà ce qui vous arrive. Et il faut aucune complaisance et aucune clémence par rapport à ce que j'appelle la bêtise. La bêtise, c'est ceux qui n'ont pas compris. C'est l'arrogance, c'est cet état d'esprit qui ne veut pas comprendre qu'on l'a manipulé. Et ça, en campagne, il y en a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'on les prenait pour des cons. Il y en a encore beaucoup. Eh bien, il faut qu'ils dégustent, ces gens-là. Il faut que tous ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils mangent encore. Ils ont besoin de manger. Et tant qu'ils n'auront pas compris, il faut qu'ils mangent. Et ils vont manger. Parce que là, c'est pas fini. C'est pas fini, ça va continuer. Et jusqu'au jour où vraiment une population aura compris, prendra les choses en main et décidera de changer la donne. Dira, bon, c'est terminé aujourd'hui, la récréation c'est terminé, on siffle à la fin de la partie. Et aujourd'hui, on éjecte tous les bobos, tous les gauchistes, toute cette merde, on les éjecte. On les éjecte, on n'en veut plus. On veut des gens sérieux, on veut des gens capables, on veut des gens non idéologues, et on avance, on reconstruit quelque chose. Est-ce que ça sera possible? Ou si ce n'est pas possible, eh bien, le peuple disparaîtra par sa propre faute à lui. Il va disparaître parce qu'il se fait harakiri. Il s'autodétruit, sa bêtise l'autodétruit, son manque de discernement l'autodétruit, sa grosse connerie l'autodétruit. Il s'autodétruit lui-même, il détruit sa propre famille, ses propres enfants par les décisions qu'il prend. Voilà un peu l'inventaire de tout ce qui se passe en France. Alors soit le peuple réagit, soit le peuple se laisse tuer à petit feu. Et ça en sera fini de la France et de ses habitants. On aura
une espèce de grand territoire sous-développé avec le chaos. Et puis voilà. Voilà ce qui nous attend. Alors du coup, bah, j'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez? On se répète. Ah oui, on se répète. Mais franchement, il y a de quoi d'être énervé. Il y a de quoi d'être énervé. Écoutez, cette inertie du peuple, cette bêtise du peuple. Il y a de quoi d'être énervé. Quand j'en voyais encore qui me disaient, ah, mais moi j'aime pas Trump. Mais je parle de prolo qui disaient, mais moi j'aime pas Trump. Pour faire bien, comprenez. Genre, c'est pathétique parce qu'ils sont manipulés par les médias. On leur dit qu'il faut être comprenez, il faut être. Ils ont l'impression qu'il faut ressembler à la vitrine qu'on leur vend à la télé. Et ils sont tous complexés de penser tel qu'on devrait penser. Ils ont tellement peur qu'on les prenne pour des fachos. Ils ont tellement peur qu'on les prenne pour des racistes. Ils ont tellement peur de tout. Ils ont peur d'eux-mêmes. Quand ils se regardent dans la glace, ils ont peur. Même leur visage leur fait peur. Alors pour vous dire l'état de la population, c'est épouvantable, épouvantable. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais j'avais envie de vider de temps en temps mon sac, parce que je vois que ça continue. Je vois plein d'éléments comme ça qui vont dans le même sens. Et je vois une population inerte, et je vois une population qui ne réagit pas, et je vois une population flasque, des regards vides, des comportements grégaires. Voilà ce que je vois autour de moi. Je vois aucune, nervosité. Je vois aucun redressement. Je vois pas de quelqu'un de nerveux, de qui se relève, qui relève la tête. Je vois pas ça. Je vois pas. Je vois des gens beaucoup dans les campagnes. La plupart sont alcoolisés. Certains sont au bar le matin avec 3 verres de vin dans le pif. Ils sont tous ravagés par l'alcool, les jeunes sont ravagés par le shit, par la drogue, et ça se déglingue, tout le monde est déglingué, il n'y a rien qui relève le niveau, rien, c'est la misère totale. Alors vous avez une campagne, vous avez une population entre les consanguins et les déglingués, soit les alcooliques, ou les drogués, vous n'avez plus rien qui se tient. Et dans la ville, vous avez les bobos qui font chier le monde avec leurs idées de merde. Et il n'y a plus personne qui relève le niveau. Voilà, on en est aujourd'hui dans notre société. C'est un désert d'intelligence, un désert de gentillesse, un désert de gens qui sont corrects, qui se comportent correctement, qui ont encore un peu de bon sens. Il y en a quelques-uns, par-ci, par-là, vous en avez quelques-uns, qui ont un peu de raisonnement. Mais sinon, la masse, elle est foutue. Et vous me direz, c'est les médias? Moi aussi j'ai vu les médias, ça ne m'a pas forcément rendu compte. Donc je pense que c'est pas forcément les médias, la nourriture. Oui, mais il n'y a pas que. Je pense que c'est la paresse, je pense qu'en réalité, il n'y a rien à faire. Le troupeau, il est bon pour aller à l'abattoir. On l'a bien perforé, on l'a bien empoisonné. Je pense que le troupeau, il est fait pour être moissonné, c'est tout. Et puis vous en aurez, voilà, une toute petite quantité qui aura échappé à cet embrigadement, le collectif, et qui résonne dans son coin, tranquille. Seul, en disant voilà, je suis tout seul à penser comme ça, il n'y a personne autour de moi qui pense comme ça. Voilà, et puis vous serez seul dans votre coin. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça doit fonctionner, visiblement. C'est-à-dire un grand troupeau qui marche vers son destin, en train de crever, qui va crever. Ces gens vont tous à l'abattoir, on l'a vu avec le pic-pic. Ils étaient contents tous. Et puis demain, ils iront tous à la guerre, s'il faut. Il paraît qu'il y a un sondage qui révèle qu'un jeune sur deux veut s'engager pour son pays dans l'armée. Enfin, je pense que le sondage est un sondage de propagande, mais ils sont capables de manipuler les cerveaux, les jeunes cerveaux,
Déjà, il paraît que dans les écoles, tout ça, et les films, ça va, ils vont... S'ils décident de mettre en place un outil de propagande pour entraîner les jeunes à s'engager dans l'armée pour se sacrifier en Ukraine ou ailleurs, ils le feront. Si l'État profond a décidé de sacrifier, comme on l'a fait en 14, la moitié de sa population masculine, ben ils le feront. Ils sont pas à ça près. Il faut, de toute façon, il va bien falloir tuer les gens, puisqu'on en a, on est trop. On va être trop nombreux à être inutiles. Hein, avec l'intelligence artificielle, les robots, les voitures autonomes et tout ça, tous les garagistes, tous les mécaniciens, tous ceux qui fabriquent des moteurs et toutes les pièces et tous les distributeurs et tout ça va disparaître. Les chauffeurs vont disparaître, les chauffeurs de camions, il y aura des camions autonomes, tout sera automatisé, il y aura des robots qui déchargeront les voitures, les camions, il y aura plus de taxis, ce sera des voitures autonomes. C'est déjà le cas avec la voiture d'Elon Musk là, qui est en exploitation au Texas et en Californie. Il y a des voitures, ils n'ont même plus de volant, plus de pédales, ça, vous leur donnez la destination, ils vous emmènent. Il n'y aura plus tout ça. Alors, puis je ne vous dis pas les milliers et les milliers d'emplois qui vont disparaître avec les robots humanoïdes qui vont remplacer, qui vont remplacer plein de personnes. Ils vont pour les champs, on prendra des robots pour cultiver, pour faire la circulation, pour j'en sais rien, pour opérer peut-être aussi, pour soigner, pour tout faire, quoi. L'homme ne sert plus à rien. L'homme ne sert plus à rien. Avec l'intelligence artificielle et la robotique, l'homme, l'humain ne sert plus à rien. Donc on y va. Donc il faudra bien inventer des procédés pour éliminer les 7 milliards d'habitants sur Terre. On en regarde 500 millions comme ils avaient prévu. Puis le reste, entre les maladies, entre les guerres, conventionnelles, les guerres bactériologiques, et puis les vaccins qu'on vous impose avec un petit poison dedans, on élimine la moitié de la planète rapidement. Et le travail sera fait. C'est déjà ça qu'ils ont prévu. Vous savez, il n'y a pas de mystère. La planète va pas être comme ça éternellement. Les 7 milliards ou les 10 milliards d'habitants, c'est fini ça. On va réduire la population. Et puis ensuite, d'ailleurs... Entre les maladies, la stérilité, les guerres, une grande partie va mourir, et puis ils ne seront pas remplacés. Ils seront remplacés, oui, par des robots, par des machines. C'est la machine qui va remplacer l'homme. Parce que la machine est bien plus puissante, bien plus efficace que l'homme, dès aujourd'hui. Et vous allez voir, dans 5 ans, tout sera... Il y aura une révolution énorme dans le domaine de l'industrie, du service et tout ça. Vous n'avez pas idée de la puissance de l'évolution qui est en train de se faire au niveau informatique. J'ai un ami, il m'a dit dans 30 ans, il y a déjà, dans 5 ans, des milliers d'emplois vont être supprimés sur la Terre. Avec cette intelligence artificielle qui ne coûtera rien, C'est une révolution terrible. Alors vous savez, les gens qui veulent faire venir des migrants, tout ça, ils sont fous parce qu'ils n'anticipent rien, parce que cette population... elle va s'en transformer en être totalement assisté, ce sera des zombies, comme ils n'ont rien dans le cerveau, en plus ils serviront à rien, et ils vivront de crapuleries, ils essaieront de voler, mais quand il n'y aura plus à voler, ça sera un Mad Max global, et puis comme dans le film Elysium, vous aurez une petite élite de la population qui aura l'argent et le pouvoir, qui iront vivre sur une planète soit artificielle, soit un monde particulièrement protégé, ou des endroits très très protégés, où il y aura le grand confort, il y aura tout ce qu'il faut, et puis la masse qui restera vivra comme ça à la dérive dans des zones totalement chaotiques, ténébreuses, et où ce sera l'anarchie totale, les mafias, les gangs, tout ça, et c'est déjà, on y vient, regardez Marseille, regardez Grenoble, regardez, ça devient des zones de non-droit où c'est déjà Mad Max quasiment, c'est déjà la terreur pour les petites gens, tout ça, on y est déjà, tout ça c'est de la science-fiction qui va être autoréalisatrice.
Voilà le monde dans lequel on va si la population ne comprend pas, ne réagit pas, ne se dote pas de gens capables de justement d'un pouvoir qui leur permettrait de gérer tout cela autrement et de ne pas se laisser embarquer dans cette folie dans laquelle l'humanité est actuellement en train de s'embarquer. Une folie, mais inouïe. Une folie inouïe. Voilà, bah oui, il fait nuit. Avec mon prochain téléphone, peut-être qu'on aura une meilleure qualité, voyez. Bon, bah je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Thank you.